Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes des Numérica Télévision. Le vent du mécontentement souffle à Kinshasa. L'opposition ajuste ses stratégies. Kinshasa, la capitale, a un seul sujet de conversation, le meeting du rassemblement de ce samedi. L'ONU appelle à la retenue. Mesdames, Messieurs, merci de rester branchés pour suivre ce journal des Numérica qui ne cesse de conjuguer ses efforts pour vous tenir informés. Le gouvernement exhorte l'ONU à éviter d'entretenir des confusions quant au droit de manifester. Il a dit ce vendredi dans un communiqué parvenu à notre rédaction. La déclaration de l'exécutif national intervient suite à la controverse qui oppose le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au gouvernement provincial de Kinshasa sur le meeting du rassemblement prévu ce 5 novembre. Dans ce communiqué, le gouvernement de la RDC invite tous ses partenaires, dont le BCNUDH, à œuvrer pour la stabilisation du pays. Ce communiqué a été publié en guise de réponse aux déclarations faites hier par un groupe d'experts des droits de l'homme de l'ONU qui appelait le gouvernement congolais à lever l'interdiction injustifiée des manifestations politiques dans la ville de Kinshasa. Et malgré cette interdiction de toute manifestation à caractère politique à Kinshasa, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement confirme la tenue de son meeting sur le boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs. C'est le secrétaire général de l'UDPS qui l'a rappelé donc ce vendredi. Jean-Marc Kabound affirme que les manifestations, en tout cas pour lui, sont garanties jusqu'ici par la Constitution de la République. C'est un reportage signé Félix Ilunga et Doudou Kassouba. Aucune manifestation n'est autorisée à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. La décision émane de l'hôtel de ville, mais le rassemblement entend braver cet interdit. Selon le secrétaire général de l'UDPS, interdit ou pas, le meeting aura bel et bien lieu, même à n'importe quel prix. Avons-nous le droit de tenir ce meeting, oui ou non? Et si nous avons ce droit, Pourquoi le pouvoir veut nous refuser? C'est donc, nous disons haut et fort, que nous tiendrons ces meetings à n'importe quel prix. Le rassemblement, et l'UDPS s'est battu dans ces pays pour l'état des droits, et demain nous continuerons à nous battre, parce que là il n'est pas question d'attendre la bonne volonté ou une bonne humeur d'un individu. Ici il est question de défendre nos droits. L'appel à la levée de l'interdiction de manifestation des experts de droits de l'homme de l'ONU conforte le rassemblement dans sa position. Naturellement, tout naturellement, cela ne devrait que nous réconforter. Mais nous ne nous limitons pas là. Nous n'allons pas nous limiter à attendre des condamnations venant du monde extérieur. Mais nous-mêmes, cette fois-ci, nous voulons nous assumer. Parce que plus rien ne sera comme avant. Je l'avais bien rappelé dans mon discours lors des obsèques de nos six combattants. Et ce qui est vrai que nous voulons nous assumer. Demain, nous serons sur le lieu, à l'heure indiquée. Et nous appelons tous nos combattants d'y être, car nous-mêmes, nous y serons. Je vais rappeler et au gouverneur et à la police que enfreindre à ces libertés, c'est une violation flagrante de notre Constitution. J'estime que la police qui s'est saisie d'office pour menacer les organisateurs d'une manifestation pacifique, ne comprend pas son vrai rôle. Jean-Marc Kabound à Kabound affirme qu'il n'y a que la résistance qui peut payer à ce stade. Selon lui, les manifestations sont garanties par la Constitution. La mesure du gouvernement provincial interdisant les manifestations politiques vise à éviter les événements malheureux des 19 et 20 septembre dernier. Toujours au sujet du meeting prévu ce samedi, Clément Kankou, président du Mouvement pour le Renouveau et membre du Rassemblement, lui, se veut plutôt modéré. Clément Kankou, qui ne contredit pas ses pairs opposants, convie le gouverneur à honorer en tout cas les droits légitimes du peuple congolais. Clément Kankou, président du Mouvement pour le Renouveau, est au micro encore une fois de Félix Ilunga et de Doudou Kassouba. On ne peut pas empêcher aux Congolais de jouir d'un droit qui du reste est constitutionnel. Droit à la manifestation publique, c'est consigné dans notre constitution, cela elle fait partie du socle même du pacte républicain que nous avons tous signé à Sainte-Cité. Donc si vous me demandez la question de savoir qu'est-ce que je pense d'une manifestation publique, je vous dirais une manifestation publique, ça fait partie
de ce que nous tous nous avons accepté en termes de démocratie. Mais demain, l'autorité qui a en charge l'ordre public devrait tout simplement s'assurer que les choses vont bien se passer, qu'il n'y aura pas de casse. C'est vrai qu'au niveau de l'opposition, nous aussi, nous avons l'obligation d'encadrer les manifestants, d'encadrer nos sympathisants. Parce que c'est vrai que quand on organise, c'est nous qui organisons, mais nous devons être en mesure d'avoir la mainmise sur ceux que nous sommes en train d'encadrer, pour ne pas qu'il y ait demain dérapage, ou ne pas qu'on ait des infiltrés, parce que souvent, quand on attaque l'opposition, on ne sait pas si ce sont réellement des gens de l'opposition ou ce n'est pas des infiltrés qu'on a amenés là-bas tout simplement pour gêner les actions de l'opposition. Donc je crois que sur cette question, moi je continue à croire que la clé viendrait du côté de l'autorité provinciale qui a la charge de faire respecter l'ordre public, mais la charge aussi de laisser tout Congolais jouir de ses libertés et de ses droits. Et à la veille de ce meeting, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Maman Sambo Sidiku, a lancé ce vendredi un appel à tous les Congolais, notamment les organisateurs de ce meeting et leurs militants, ainsi qu'aux forces de l'ordre de la ville de Kinshasa, censées encadrer cet événement. Le patron de la MONUSCO demande à tous les acteurs à faire preuve des retenues et des responsabilités. Le chef de la MONUSCO a souligné la nécessité du respect par tous des lois de la République, y compris les dispositions constitutionnelles garantissant les libertés des manifestations, des réunions pacifiques et d'expression dans un espace politique ouvert. Dialogue politique, l'initiative de Joseph Kabila d'impliquer davantage la Conférence épiscopale nationale du Congo dans les efforts de décrispation du paysage politique congolais est saluée par Human Rights Watch. L'ONG de défense des droits de l'homme reste cependant prudent et espère une multiplication d'actes de bonne foi. La structure souligne que 15 membres de l'UDPS ont été arrêtés mardi dernier, les dernières d'une série d'arrestations arbitraires pour elle, peu après que plusieurs milliers de personnes se soient rassemblées pour les funérailles des 6 membres de cette formation politique de l'opposition. Processus électoral, mesdames, messieurs, le président de la CENI séjourne depuis ce vendredi à Olomami. Corneille Nanga a amené avec lui les kits électoraux. Il était accompagné du secrétaire exécutif national et des élus nationaux de cette partie du pays. Ils ont été accueillis à l'aéroport militaire de la base Kamina par les autorités provinciales. Un carnaval motorisé a accompagné le cortège depuis la sortie de la base jusqu'au centre-ville. L'interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, mais plutôt plus encore, l'interfédéral s'est réuni ce vendredi à l'hôtel Vénus. C'est un rendez-vous hebdomadaire que le secrétaire général du PPRD s'est fixé avec les militants de son parti. Henri Mova Sakani a réuni les militants du parti cher au chef de l'État pour interpeller la population à la non-violence. Il a attesté en outre que le seul moyen pour accéder au pouvoir demeure les élections, car la violence ne fait que retarder le développement dans un pays. Il ne faut pas que ces développements soient empiétés. De l'autre côté, au cours de ce café politique tenu par le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le secrétaire général a insisté sur le caractère historique politique de la violence avec ses méfaits dans les tissus sociaux de notre nation. Il a également insisté sur la détérioration de la situation économique après les différentes violences qu'ont connues la République démocratique du Congo. Écoutons le secrétaire général du PPRD. Il est au micro de Serge Mitelezi, Yannick Mbuyamba et de Luc Kyung. Ça signifie qu'on aura déjà décidé au préalable. Avant, c'est-à-dire avant, donc on pourrait pas tenter, non, avant, quelques jours avant, pour y aller déjà. Sauf qu'on est en train de recevoir là, non, donc on pourrait être déjà ensemble là. Tant qu'il n'y a pas celui-là, l'État n'a pas de vivre. Parce que le vivre de l'État, c'est la mort. La mort de l'État, c'est la destruction du peuple. Or, ce combat, on l'a imposé depuis des
années, depuis le porte jusqu'à maintenant, on peut nous entretenir dans ce vacuum, c'est-à-dire ce vide. Et comme la politique a horaire du vide, il veut créer ce vide pour l'occuper. Mais il regrette une chose, c'est que le potentiel dont on a parlé, que le potentiel subversif était très élevé. Ils ne comprennent pas comment ça ne prend pas. Essayez de couper Internet, vous allez voir pourquoi il agit comme ça. Vous avez déjà senti la violence, la violence des propos des Occidentaux quand on parle. Parce que c'est pour eux le moyen le plus sûr d'entraîner tous les jeunes dans la rue et d'occuper la scène politique. Il dit c'est peut-être la. On passe à autre chose. Le ministre de la Défense nationale était aujourd'hui à la Chambre haute du Parlement. Crispin Atama-Tabé répondait aux préoccupations des sénateurs sur l'épineuse question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre affirme que garantir la sécurité dans cette partie du pays est une priorité pour le moment. Il a dit à Félix Ilunga. Oui, je crois que c'est la priorité pour le moment. Ce qui a fait l'objet même de la question orale, ou des deux questions orales que j'ai reçues. Je crois avoir rencontré la plupart des préoccupations des sénateurs. Le débat était public. J'ai fort apprécié la clairvoyance, les soucis que les honorables sénateurs ont pour notre armée, que nous devons nous battre ensemble pour reconstruire et la rendre professionnelle pour répondre à toutes les provocations que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire les moyens à mettre à la disposition de l'armée est proportionnel avec le budget global du gouvernement. Nous sommes à une période de basse conjoncture. Nous n'allons pas rêver, par exemple, demander de mettre 2 milliards, 4 milliards à l'armée, au moins le budget national n'a que 5 milliards. Donc nous allons jouer dans la règle de proportionnalité. Je reconnais les sacrifices qu'ils sont en train d'endurer. Les moments sont difficiles. Ils doivent tenir bon. Le ministre de la Défense, le gouvernement, comme les institutions délibérantes, c'est-à-dire le Parlement, tout le monde est derrière le militaire. Je pense que c'est l'institution fondamentale qui garantit l'intégrité du territoire national. Dans le cadre des journées portes ouvertes organisées à la primature, au total, 130 élèves issus des trois écoles ont visité les bureaux du Premier ministre. Ces futurs cadres du pays qui ont visité ces bâtiments d'une portée historique ont pu, en tout cas, concilier la théorie à la pratique. Hermione Yanvou. Donc on va faire du tourisme avec vous. Mais ce qui sera en éducation, la matière théorique apprise à l'école est davantage assimilée par une partie pratique. Fort de cette réalité, les experts de la primature ont consacré chaque vendredi une journée porte ouverte aux élèves et étudiants. Les élèves des trois écoles, à savoir Père Coudrin, le groupe scolaire Lubama et le complexe scolaire Okapi, ont concilié la théorie apprise à l'école à la pratique. Ces futurs cadres du pays ont visité le bureau où travaillait le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Outre ce bureau historique, les élèves ont visité la salle de réunion et la salle de galerie photo. On ne vote pas le Premier ministre. 8, 30, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, vous les avez tous, ils sont là. Ensuite, ils se sont rendus au jardin de Premier. Sur le lieu, Augustin Matata Pogno a exhorté les élèves à s'adonner aux études pour être utiles à la société, mais aussi contribuer au développement du pays. Je réponds au nom de Mouni Bakamoulet. J'étudie au collège LLK. Le premier ministre. Dans quelle classe? Deuxième secondaire. Voilà. Le premier ministre qui a passé de plus de temps, c'était Léaokien Mouwangoni. Applaudissez. Ah, vous voyez? Occasion pour les élèves de saluer les efforts du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Cette visite était immortalisée par des photos de famille. Votre maman et à vos petits frères et sœurs.
En sport, le tout-puissant Mazembe reçoit ce dimanche Mouloudia Olympique de Béjaïa d'Algérie. C'est dans le cadre de la finale retour de la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe part avec un court avantage avec son nul en Algérie, un but partout. Hubert Velud, l'entraîneur des Congolais, malgré une certaine prudence, ne pense qu'à la victoire. La CAF a désigné un trio arbitral sénégalais pour officier cette finale. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent lire la presse. Les journaux parus ces matins dans la capitale ont été sélectionnés pour vous par Tapi Lutounou et commentés par Hermione Yonfou. Revue de presse. Forum des As rapporte que le rassemblement maintient son meeting de samedi sur le boulevard Triomphal en face du stade de Martyrs, ce suspendant toute manifestation publique pour une durée indéterminée pour des raisons de sécurité. Et la police dit qu'elle va empêcher le meeting de Tshisekedi. Dans un communiqué transmis à Congo Nouveau, la police nationale congolaise dit qu'elle exercera son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République, ainsi que des droits humains et des libertés fondamentales. Dans son édito, la Référence Plus invite le peuple congolais à ne rien craindre. Pour le quotidien, les politiques de gauche ou de droite ne peuvent pas effrayer les Congolais sous la protection de Dieu. La manchette s'intéresse à la visite de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette délégation, conduite par les ambassadeurs angolais, français et sénégalais, note le quotidien, se rendra du 10 au 14 novembre à Kinshasa, Goma et Beni pour rencontrer Joseph Kabila ainsi que des responsables de l'opposition et de la société civile. Course à la primature, le palmarès rappelle que c'est en principe le mardi 8 novembre qu'expire le délai de 21 jours signé dans l'accord politique du 18 octobre pour la mise en place d'un gouvernement de large union nationale. Mais pour d'autres responsables politiques cités par les dépêches de Brazzaville, c'est un pari risqué que de faire une fixation sur les dates. Le fait que le dit accord est ouvert à toutes les autres organisations politiques et de la société civile peut donner lieu à des tractations entre partis pouvant influer objectivement sur le timing initial, d'où la possibilité d'un dépassement éventuel des échéances arrêtées n'est pas écartée, conclut le journal de Brazzaville. Terminons cette revue de presse par cet appel de Rachel Kitita. Dans une interview accordée à La Tempête des Tropiques, l'une des présentatrices du journal télévisé Animaïka Télévision invite la jeune fille congolaise à aller à l'école. Elle affirme que plus les femmes vont étudier, plus elles auront à accéder dans tous les domaines de la vie nationale. Mesdames, Messieurs, voilà donc, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre attention. Très bon début de week-end à tous. Restez branchés sur nos programmes.